Votre mémoire échappe à votre raison. Elle enregistre de manière quasiment arbitraire vos idées, vos sensations, et elle se transforme sous l'influence de votre subconscient. C'est ce qui en fait un sujet passionnant pour les artistes. Comment capter la mémoire alors qu'elle est par définition immatérielle et mouvante? Comment l'évoquer sous une forme sensible? L'œuvre d'art peut devenir une rencontre entre deux subjectivités, celle d'un auteur et puis la vôtre.